Un beau moment de complicité. Depuis qu'elle a été révélée grâce à l'émission The Voice, en 2013, Louane s'est progressivement bâti la carrière dont elle rêvait. Côté vie privée, la jeune femme de 26 ans a également trouvé ce qui la faisait vibrer. En couple avec Florian Rossi depuis 2018, elle a accueilli avec lui son premier enfant 2 ans plus tard, une petite fille joliment baptisée Esmée. Même si l'interprète de Paula dans le long métrage franco-belge La famille Bélier se montre très discrète concernant sa vie privée, elle dévoile parfois des bribes de son quotidien sur les réseaux sociaux. En témoigne sa publication Instagram datant du lundi 20 novembre, dans laquelle elle a révélé quelques clichés la présentant son compagnon. En effet, la chanteuse a partagé plusieurs clichés lors d'une sortie en amoureux à Disneyland Paris. L'occasion de retrouver Louane et Florian dans des attractions à sensations ou encore devant le célèbre château de la Belle au Bois Dormant. Mais ce n'est pas tout. L'artiste a également posé pour quelques photos en solitaire. Des clichés qui n'ont pas manqué de faire réagir de nombreux internautes. Ça respire l'amour, a déclaré un utilisateur du célèbre réseau social. Vous êtes trop beau, a indiqué un fan, pendant que d'autres ont écrit, vous êtes tellement mignon ou encore j'adore les photos, elles sont trop belles. Energy Music Awards 2023, Louane, Vita, Slimane. Les plus beaux looks de la cérémonie. Louane se confie sur sa relation avec Florian Rossi, j'ai un mec trop cool. Le 23 septembre dernier, à l'occasion de l'émission Une Heure Avec, diffusée sur RFM, Louane s'était livrée à cœur ouvert sur sa relation avec Florian Rossi. L'occasion pour la jeune femme de faire une tendre déclaration au père de sa fille. Je me sens bien, j'ai de la chance, j'ai un mec trop cool, avait-elle indiqué, précisant que son compagnon l'avait aidé dans l'élaboration de son dernier album. Alors, oui, Louane et Florian Rossi ont la même complicité dans leur vie professionnelle que dans l'intimité. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Olivier Borde.